Le documentaire Varado nous montre les difficultés, le quotidien sur les sites d'orpaillage illégaux. Ici, les orpailleurs ne sont plus montrés comme des bandits ou des criminels, mais comme des personnes prises au piège. Ainsi, pour sortir de la misère, ils espèrent gagner de l'argent avec l'or. Dans le documentaire, les scènes sont essentiellement tournées en forêt, avec des plans rapprochés, où on y voit les orpailleurs vivre dans la crainte d'être arrêtés par les militaires, donnant ainsi cette sensation d'enfermement et d'étouffement aux spectateurs. Depuis le début, on suit l'histoire de plusieurs individus, et notamment un homme nommé Ricardo, un orpailleur victime d'une explosion organisée par les policiers. Il a perdu l'usage de ses deux mains et doit ainsi apprendre à vivre autrement. Ricardo nous explique à la fin que s'il revenait à ses 20 ans, il aurait refait les mêmes choix.